Bonjour et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claudia de Claudia en Francia. Sur cette chaîne, vous trouverez des cours de français et des conseils pour l'apprendre. Aujourd'hui, vous allez apprendre à exprimer une obligation en français. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et soyez bien attentifs car je vous poserai une question. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour apprendre le français, il est indispensable d'être motivé. Il est indispensable d'être rigoureux. Il est essentiel de pratiquer ce que nous avons appris. Il est essentiel d'être organisé. Il faut apprendre petit à petit. Il faut être constant. On doit avoir envie d'apprendre. On doit se fixer une routine d'apprentissage. Dans les phrases que je viens de vous donner, il y a des expressions qu'on utilise pour exprimer une obligation. Nous avons il est indispensable de. Il est essentiel de. Il faut. On doit. Ces quatre expressions-là sont suivies d'un infinitif. Pour rappel, un infinitif est un verbe qui n'est pas conjugué. Exemple, être, apprendre, se fixer. Dans l'expression on doit, le on, c'est un on général, c'est-à-dire qu'on parle à tout le monde en général. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le on ne veut pas dire nous. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour apprendre le français? J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci! Au revoir!